Hello les copines doux d'amour. Oh, coucou tout le monde, on espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans une vidéo et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Les fournitures scolaires à Jiffy. Exactement, donc on a reçu des bons d'achat, donc on remercie vraiment Jiffy. Alors on va en profiter pour faire donc les achats fournitures scolaires comme vous nous le demandez très très souvent. Et on espère que ça vous plaira. Donc on espère qu'on va trouver un maximum de choses. Et s'il nous manque quelques petites choses, on ira compléter dans d'autres magasins. C'est parti? Oui. Allez. C'est parti, donc j'ai ici la petite liste de fournitures. On a déjà pris quelque chose, quelques petits trucs. Et donc là, on va continuer. Alors Maëlia, il va nous falloir 2 pochettes de papier canson. On a fait un petit peu le tour, on n'a pas vu de pochettes canson. On a des Clairefontaine ici. Donc bon, ça ce sera à prendre plus tard. On a un agenda à prendre. Pas de cahier de texte. Oh. Pas de cahier de texte, donc... Alors, on a des petits agendas ici, voilà. Donc, c'est bizarre, hein, au CP, on nous demande déjà des agendas et non des cahiers de texte, donc... Voilà. Voilà. Ben, celui-ci, il est sympa. Regardez, j'ai trouvé le numéro 15. Numéro 15. À l'intérieur, c'est assez simple. Alors, on en a trouvé aussi un chez Lidl. Avec des petits smileys qui est un petit peu plus coloré, donc je ne sais pas si, si ça va le faire pour l'école ou s'il vaut mieux prendre un vraiment très sobre. Est-ce que celui-ci te plairait, Maë? Oui. Oui. Par rapport au smiley qu'on a déjà, tu préfères celui-ci? Oui. Oui. D'accord. Regarde. Un cahier grand carreau petit format 200 pages avec protège cahier vert à rabat. Alors on a ici des cahiers, c'est super parce que le protège-cahier est déjà tout intégré en fait. Vert, j'en ai trouvé. Ouais, on en prend un vert et en plus le protège-cahier est à rabat. Ouais, c'est génial ça. Donc c'est tout intégré dedans. Parfait. Donc 96 pages, c'est parfait aussi. Alors on a ces petites trousses là qui sont toutes mignonnes, plastifiées. Alors on aura une trousse pour les feutres, une trousse pour les crayons de couleur et une trousse pour tout ce qui est crayon, gomme, règles, etc. Donc on va prendre celle-ci. Maëlia a choisi aussi celle-là. Et celle-ci aussi, elle est pas mal. Alors du coup, j'avais déjà pris à la maison un grand cahier et il me manquait le protège-cahier incolore. Mais là, vu qu'on en a un déjà tout fait, comme ceci, je vais le prendre. Et en plus, le protège-cahier est à rabat. Et regardez qu'est-ce enfin, qu'il la a. Couverture, quoi. Et regardez. Ah oui, Maëlia a trouvé. Ouh, tout est bleu. Qu'est-ce que t'as trouvé, chérie? Une trousse. Ouais, elle est belle, hein? Hello, Tim. C'est un très grand cahier, 24 sur 32. Comme on nous le demande, donc c'est parfait. Au niveau des stylos, c'est ici. Alors un stylo Bic bleu, je pense qu'on va prendre, ça. Un crayon à papier que j'ai déjà, une gomme blanche on l'a déjà, un taille crayon à réservoir. Alors les tailles crayons, ils sont un peu plus loin. C'est là? C'est ici chérie. On a le taille crayon à réservoir Vaiana. Oui je veux Vaiana. Il te plaît? Ça m'aurait étonné le contraire. Bon, on a les autres personnages. Hein. Pour les garçons, il y a Cars, Pat Patrouille. Et pour les filles, les pyjamas. On a aussi les pyjamas. Oui, mais là, c'est les ciseaux. Et d'ailleurs, il va nous falloir des ciseaux. Ah, on avait aussi des tailles crayons ici. On avait aussi des tailles crayons un peu plus sobres ici. Celui-ci. Celui-ci, t'aimes bien à la place de Vaiana? Bon, du coup, on va peut-être prendre les deux. Voilà, que si elle change d'avis, c'est parti. Alors, au niveau des ciseaux. C'est papy qui l'a trouvé. C'est papy qui a trouvé. On doit prendre des ciseaux à bourron. Donc, on va prendre ceci. La paire de ciseaux, c'est bon. Le bâton de colle, c'est bon. On en a plein à la maison. Ouh là là, il se met à pleuvoir là. On entend la pluie qui tombe. On n'a pas de parapluie. On n'a pas de parapluie, non. Donc on va devoir prendre des crayons de couleur.
Ça fera l'affaire. Hein. On avait aussi des crayons de couleur ici, Maped, avec des couleurs originales. Là, on a aussi du doré, de l'argenté. Du doré. Alors, c'est bon, on les prend ? Oui. C'est parti. Maintenant, les feutres. Tu préfères lesquels ? Les Maped ou les Bic ? Les Maped. Les Maped. Allez, c'est parti. Une règle plate de 20 cm. On a soit 15, soit 30 cm. Et nous, il nous faut 20 cm. Donc, on la prendra ailleurs, une prochaine fois. Donc, on va voir un petit peu le rayon des cartables. Ils sont tout mignons. Donc, c'est pour les petits. Hein, ça, c'est vraiment pour les petits. On a ici le rayon des cartables pour les un peu plus grands. Ce sont des sacs à dos. On a un grand cartable ici. Voilà, au niveau des prix, c'est vraiment très intéressant. Mais on n'a pas trop de choix pour Maé. Donc on va continuer à chercher le cartable pour Maëlia. Là, on a les sacs à dos pour les grands, comme vous pouvez le voir. Alors, on avait ce petit cartable aussi qui était sympa, mais qui est à roulette. Malheureusement, interdit donc pour l'école de Maé. Et en plus, il est assorti aux petites trousses. Donc, ça aurait été sympa, mais bon. Dommage. Alors du coup, on va le prendre, celui-ci, pas pour l'école, mais pour quand on part en séjour, ça peut faire office de petite valise. Voilà, pour mettre les affaires de Maëlia, pour qu'elle puisse l'étirer. Donc, parfait. Alors, nous avons rencontré une copine et un petit copain qui regardent nos vidéos. Donc, merci beaucoup. Comment tu t'appelles ? Kenza. Kenza et ? Comment ? Anas, super. Donc merci beaucoup. On vous fait de gros bisous. Au revoir. Est-ce que vous voulez faire coucou aux abonnés ? Oui. Et abonnez-vous. Oh merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir Anas. 2 hours later. Et recoucou, on se retrouve. Donc cette fois-ci, nous sommes à Bureau Vallée et on regarde un petit peu la sélection de cartables. Maëlia a craqué déjà sur le mignon. On a Soy Luna derrière, mais il est plus petit. On en a un ici, Little Marcel, très coloré. On a celui-ci aussi qui est mignon. Bon, alors finalement, Maëlia essaye le cartable Soy Luna, qui est un petit peu plus adapté à sa taille. Et on va continuer la liste. Donc il nous faudrait, voilà, un porte-vue de 100 vues de couleur jaune. On en a un jaune ici. Ah, il m'en faudra deux. Il fallait au moins 100 vues. Donc c'est parfait. Et on en a un ici. Ah, super. On a aussi trouvé la règle de 20 cm. C'est pas moi, c'est papy. Et c'est bon, on a trouvé nos porte-vues de couleur jaune en plus. Bon, il y a un petit peu plus de pages que demandé, mais c'est tant mieux. Donc maintenant, on va chercher deux pochettes de papier qui en sont blancs 24 x 32. On a déjà là 24 sur 32. Bon, du coup, on va prendre les 180 grammes. Et puis, si c'est pas bon, j'en reprendrai par la suite. Alors, on passe devant le rayon des trousses et regardez qui je vois. Chi. Eh oui, Maëlia, attention, tu vas tout tomber. Je veux les dos. Maëlia, elle adore Chi. On a Chi en rose, ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Alors du coup, on est au rayon des ardoises, donc nous on l'a déjà à la maison, mais on doit prendre des chiffons, enfin un chiffon, au moins un. Donc on va prendre un petit chiffon exprès. Super, donc on prend ce petit chiffon-là pour l'ardoise. Tiens mon petit cœur. Bon du coup, on va pas choisir le cartable Soy Luna, c'est pas vraiment un gros coup de cœur. Vous verrez le cartable de Maëlia dans une prochaine vidéo, on l'a commandé. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ici Maëlia ? C'est un agenda de Chi. Alors je pense que c'est totalement aussi pour nous. On a aussi le modèle bleu. Quel modèle tu préfères mon cœur? Les deux. Ouais, mais on peut pas prendre les deux. Mais une pour l'école et une pour... Oh ouais. Lequel tu préfères? Celui-ci c'est pour l'école et celui-ci pour la maison.
Il est tellement mignon, Chi, qu'on aimerait prendre les deux. Et coucou tout le monde, on se retrouve. Donc nous sommes rentrés, nous avons fait tous nos achats fournitures scolaires. Donc en tout cas, on espère que cette chasse vous aura plu. Et on se retrouvera dans une autre vidéo où on va remplir ensemble le cartable de Maëlia. Donc le cartable que nous avons commandé, on remplira le sac de Maëlia. Comme ça, vous verrez aussi les fournitures que vous n'avez pas vues dans cette vidéo, parce que j'avais acheté quand même quelques petites fournitures par-ci par-là. Donc là, vous verrez vraiment l'intégralité de toutes les fournitures de Maëlia pour sa rentrée au CP. Là où il aura Tatianaïs. Eh oui. Donc le sac de Maëlia est commandé, on va aller le chercher demain. Et qu'est-ce qu'on dit, Maëlia? Au revoir les copines d'amour. On espère que la vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, laissez-nous des millions de pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage. On vous fait des gros bisous. Et on vous fait des gros câlins d'amour. Bye bye. Viens Mimi, viens. Viens Mimi, viens. Viens voir la Mimi, elle est là la minette. T'as vu ta soeur jumelle Mimi? T'as vu ta soeur jumelle? T'as vu? Oui. C'est les mêmes. Tant pis.